en bronze profitant des soins d'un institut de beauté. Une étonnante rencontre pour un événement exceptionnel. L'exposition Tumulte Gaulois, représentation et réalité. Il est organisé d'une part au musée Bargoin, où l'archéologie moderne autorise l'approche la plus fine de la société gauloise de moins 200 à moins 52 avant Jésus-Christ. Et d'autre part, au musée d'art Roger Quillot, pour nous parler du mythe gaulois dans l'art. Ce sont d'incessantes récupérations politiques qui vont façonner de toutes pièces l'image de l'ancêtre gaulois idéal. Les révolutionnaires de 1789 l'ont trouvé très utile à leur cause. Pour dire, les rois de France et les nobles sont les descendants de Clovis, de Charlemagne, donc des rois francs, donc des rois qui proviennent des contrées de Franconie, l'Allemagne, alors que nous, le peuple, le tiers des États, nous sommes issus de ce territoire, donc nous sommes issus des Gaulois. Napoléon III, opposé aux Prussiens, exploite ensuite le mythe du guerrier invulnérable jusqu'à ce que Pétain en fasse un tout autre modèle. Le régime de Vichy va de nouveau se réapproprier l'image du Gaulois pour montrer en Vercingétorix le vainqueur magnifique, celui qui a accepté la défaite pour se soumettre à un peuple plus fort que lui. Un parallèle historique entre César Hitler et Pétain Vercingétorix. C'est la dernière réappropriation ou récupération politique de l'image du Gaulois. Il faut se méfier de la lecture de l'image. Soit-elle une image de peinture, de sculpture, elle dit toujours quelque chose. Elle dit du moment où elle a été créée, de la société dans laquelle elle a été créée. Et quelquefois, elle peut répondre à une commande politique sous-jacente. C'est vraiment le cas pour la représentation du Gaulois. Mais qui étaient donc réellement les Gaulois? Les archéologues au musée Bargoin nous font connaître leurs plus récentes découvertes. L'or, notamment, des très riches investigations dans la ville gauloise de Coran. On est vraiment sur une population qui a une culture, qui a une maîtrise notamment du travail des métaux, qui est dans des échanges commerciaux. On a effectivement un échange aussi bien sûr avec les populations romaines, mais on n'est pas du tout dans la confrontation. Donc c'est ça qui est intéressant de voir qu'on est à un moment où le Gaulois n'est pas effectivement le chevelu hirsute, sauvage barbare qui mange des sangliers. Non, on a une société avec des aristocrates, avec des chefs, avec des guerriers, une société avec des artisans qui vont eux effectivement produire les armes, produire ce qui sera nécessaire au combat, donc vraiment une société très organisée. Une place de la femme gauloise aussi importante, puisqu'on le trouve aussi dans les textes, quelqu'un qui va être là à côté de son compagnon, qui va défendre aussi son territoire. Donc voilà, vraiment un Gaulois qui est vraiment à l'opposé, en tout cas, des clichés, des idées reçues que l'on a. Alors moi, ce qui me touche, je pense, le plus en tant qu'objet quand même, c'est le travail en fait de la céramique et le travail des métaux ou du verre. On a ici une collection de perles exceptionnelles, vraiment un travail du verre, de la pâte de verre, où on sait toute la difficulté de la bonne température pour travailler effectivement ça, et les vases de Gandaya, où on a vraiment des vases avec une proportion assez extraordinaire et des décors d'un raffinement que l'on ne pouvait absolument pas imaginer. Donc, c'est une façon de montrer aussi qu'on est en présence vraiment d'un intérêt pour l'art, d'un intérêt pour le beau. Alors qu'on est, nous, dans l'image du sauvage, non, on est sur une société qui est aussi raffinée et qui donne de l'importance au bel objet. La société gauloise mérite vraiment ce nouveau regard. L'exposition profite des collections exceptionnelles des deux musées nationaux clermontois, comme des prêts d'autres musées français et étrangers. Tumulte gaulois, représentation et réalité. C'est du 20 juin au 23 novembre 2014.